bagiye mi rufase chukwabo nzambi ya munu luzobe yangekele nene na beto bantu ya masumu papa betangisa kamenga nga yantalu na yala nchangamani samu chumunu muku vuka papa oh luzobe ya nene nene na beto bantu ya masumu ika nkumbu yangeku kendusa papa. Thank you.
ce que je vis. Je mange, je m'habille, et je bois et je m'estime heureux. C'est plutôt parce que je t'ai rencontré. Toi, le créateur de toutes choses, qui est mieux passé, tu vois. Thank you.
Pues la
Mama,
voir danser un peu. Parce que lui, il aimait danser. Il aimait pas ce que nous voilà. Et là, I'm gonna go to the hospital.
petit bien mon corps mon coin d'après un chemin que ça va m'amouer d'avoir mal. Oh,
Nanti baca ke? Où sont les petits-fils là? Ils sont où les enfants? Mouchi comme Mouchi. Les petits-fils sont où là? Hey, il y a un bruit les gars. Hey, maman, viens ici dans l'église, maman. Maman, allez-y, allez dormir. Allez-y, allez-y. Mais ça, rentre dans l'église, on ne peut pas. Ah mais il faut gagner le temps. Oui, moi. J'ai le dossier. Parce que ça soit du bien ou mal. Et moi, le mal, je le jette. Je crois que tu es un philosophe pour mal. Oui. Merci. Mais où tu n'en es pas? Je t'en veux. Je t'en veux. Je t'en veux. Thank you.
le déménagement, mais le déménagement, le Si je vous demande de me définir pour vous, qu'est-ce qu'un ami? Je ne sais pas ce que vous me répondez. Je crois qu'on pourrait avoir beaucoup de réponses. Un ami, c'est quelqu'un, pour la plupart du temps, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, n'est-ce pas? Ah, je vous entends pas. Un ami, c'est comme une béquille sur qui on peut reposer pour avancer sur la route. Un ami, c'est celui qui est là dans des moments joyeux, mais surtout dans des moments difficiles. Il me semble que vous avez tous eu dans votre vie un ami. Mais comme je disais qu'un ami, c'est comme une béquille vous permet de trouver l'équilibre et d'avancer, parce que vous êtes en difficulté. Mais une béquille peut aussi vous tomber dessus, sur le pied, et vous faire mal, là où vous avez déjà mal. Ça veut dire qu'un ami, c'est quelqu'un qui doit être capable de vous dire les vérités là où elles font mal, parce qu'il vous aime. Un faux ami, il ne vous dira jamais ce qui peut vous fâcher. Il se trouve que Jésus, comme nous, avait des amis. Il n'était pas apôtre, il n'était pas dans la liste des apôtres, de ses disciples. Mais Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Et ce Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus, en ce moment perdu, aimait bien aller rendre visite à ses amis. Parce que ses amis, Lazare et ses sœurs, habitaient à une trentaine de minutes de marche à pied de Jérusalem, dans la ville de Bethanie. Et voilà que Lazare, l'ami de Jésus, m'a dit. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est absent au moment où son ami meurt, alors qu'il avait ressuscité un enfant qui était mort, alors qu'il avait rendu la vue à un aveugle. Ce jour-là, Jésus n'est pas là. Vous imaginez ce que Marthe et Marie ont ressenti dans leur cœur. Et c'est ce que vous avez aussi ressenti. Et c'est ce que vous ressentez tous les jours quand vous voyez la douleur dans votre vie. Quand vous avez un enfant malade, un enfant condamné par une maladie incurable, quand vous avez un parent qui meurt, vous avez l'impression que Jésus est absent. Et la plupart du temps, on a l'impression que Jésus est absent dans notre monde et dans votre vie quotidienne. Quand vous perdez vos boulots et que vous priez matin et soir en disant « Seigneur, je veux m'en sortir, comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais m'occuper de ma femme ?» Mais Jésus, on a l'impression qu'il n'est pas là. Parce que Jésus avait appris que son ami Lazare était mort. Mais il a attendu 4 jours. 4 jours. Pourquoi avoir attendu 4 jours? C'est parce qu'il voulait que cette résurrection soit à la plus grande gloire de Dieu. Il voulait montrer qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il avait la maîtrise sur la vie. Et ce n'est qu'après 4 jours qu'il a décidé d'aller voir son ami qui venait de mourir. Et quand il est arrivé, il a demandé de voir là où on l'avait mis.
il a demandé à Lazare de sortir. Il a crié du plus fort que Lazare, viens dehors. Et quand Lazare est venu dehors, il a demandé aux gens de le libérer de moi. Et ceux qui avaient suivi la lecture, il a demandé aux gens de libérer Lazare de moi, de cette bandelette. C'est très important. Cette partie-là, c'est très important. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que même quand le Christ nous sort de la mort, il nous demande de faire recours aux autres, pour que les autres nous aident à marcher, pour que les autres nous libèrent. Lazare, pourtant, est sorti du tombeau, mais il demande aux gens d'enlever lui ses bandelettes et laissez-le aller pour qu'il retrouve la liberté. Lazare avait besoin que les gens lui enlèvent les bandelettes. Alors la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, quelles sont les bandelettes qui aujourd'hui, et nous, comme on dit en latin, ici et maintenant, quels sont les bandelettes qui t'empêchent d'avancer dans la vie? Est-ce l'alcool? Est-ce la maladie? Est-ce le libertinage? Chacun doit pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aujourd'hui en harmonie avec moi-même et avec les autres, tout en sachant qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Personne ne peut vivre sans les autres. Et votre appel, Lazare n'existe plus quelque part. Il est mort depuis longtemps. C'est pour vous dire que même quand on est guéri, miraculeusement, on finit toujours par mourir. Alors la vie à laquelle le Christ nous invite, c'est la vie de l'au-delà. Comment je prépare mon au-delà? Regardez au fond de cette église, vous avez des plaques qu'on a mises là pour dire merci aux 5 heures de Jésus, mais aussi aux 5 heures Immaculée Conception. Des gens qui ont eu des guérisons, ils ont eu des miracles. Mais je peux vous assurer que ces gens, ils n'existent plus. Pour la plupart, je pense. Ces personnes sont quand même mortes, malgré les guérisons, les miracles qui se sont opérés. C'est pour vous dire que ce qui compte, ce n'est pas le miracle. Ce qui compte, c'est le miracle de la vie qui peut s'opérer dans votre vie pour entrer dans la vie éternelle. Et aujourd'hui, à Guérins, tu rentres dans l'éternité de Dieu. Et c'est ça qui me permet de vous parler de lui si vous voulez. L'histoire commence dans un petit village, dans la région du Pou. C'était un bar. Le 31 juillet 1950, arrive au monde un beau garçon. Il est le deuxième de sa fratrie. Deuxième de la fratrie de papa Ndebeka Valentin et maman Nouba Julien. Deuxième d'une fratrie de 9 ans. Michel Kimbidima avait un papa commerçant. Et c'est normal qu'il ne puisse pas rester à Paris. Ils se sont installés à Brazzaville puisque papa avait les moyens. Le jeune Michel passe son enfance, sa tendre jeunesse à Brazzaville. Mais
Il a déjà des envies d'ailleurs. Par hasard, ne lui suffit pas. Il veut connaître le monde. Il veut aller loin. Il veut faire quelque chose de sa vie. Il était très jeune. Alors, il décide d'aller en aventure. Il part en aventure. Il quitte Brazza, il se rend à Libreville. Et c'est de Libreville qu'il prend un bateau qui va finalement l'emmener ici en France. Il arrive en France un jour de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1973. Michel est un bâton. Il voulait réussir sa vie. Avec sa bonne humeur, il se crée une place. Le voilà qui travaille maintenant à la mairie de Montreuil. Mais quand on est un homme et commence à réussir sa vie, on cherche aussi à fonder un foyer. C'est alors qu'il fait appel à sa belle dulcinée, Jeanne Dianzinga. Il fait venir Jeanne Dianzinga en France et avec elle, ils vont avoir trois beaux enfants. J'ai parlé de Linda, de Stella et de Stéphane. Mais vous savez, la vie parfois se sépare les gens, malheureusement. Ils ne sont pas restés ensemble. Et Michel Grand-Guérin, un convoi. Deuxième noce avec Marie-Agathe du réseau. Je crois qu'elle est là aussi. Et c'est Jeanne. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, Jeanne. Et le réseau. La famille de Papa Néo.
était le premier à ouvrir le chemin pour arriver ici en France. Et il était très protecteur de sa famille. D'ailleurs, je vous raconter une histoire qui... Vous êtes fatigué? Non, pas du tout. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée un jour. Grand Guérin avait un ami. Je crois qu'il s'appelle Babingui. C'est Babingui. Je ne sais pas si c'est le Babingui que je connais qui est assuré souvent pour les... C'est un nom, c'est pas grave. On ne va pas chercher à savoir. Il lui remet un colis. Ce qu'il a fait, il a aidé les gens. C'est ça qui est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église tous les dimanches. Moi, je suis prêtre, catholique, je suis fier de l'être. Tous les dimanches, tous les jours, je prie. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un meilleur prêtre. C'est la façon dont je vis avec les autres. C'est la façon dont tu vis avec les voisins, avec ceux que tu côtoies au quotidien. Ce n'est pas des tonnes de prières quand tu viens t'agenouiller devant les statuettes. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Même quelqu'un qui ne va pas à l'église, s'il est dans le quartier, il est au service des autres, il est dans le social, il tient compte des voisins, compte des voisins ont des difficultés. Sur un même à l'église, je l'aime, c'est sûr. Parce que tous les amis de Jésus, c'est à cela que nous sommes appelés. Moi, j'ai un grand frère. C'est grâce à son frère que je suis devenu prêtre. C'était le responsable des enfants de cœur de ma paroisse à Saint-François. Il m'a appris à servir à la terre. J'étais encore jeune, tous les jours. Ma vie a aidé le Saint-Esprit de l'Église. Et du Saint-Esprit de l'Église, je suis devenu prêtre. Mais ce grand frère, aujourd'hui, pour moi, c'est une référence. C'est le grand. Et pour ce grand frère, il ne va pas nous les grands jeunes. Est-ce que pour moi, je vais dire qu'il n'est pas près de Dieu? Parfois, mieux que ceux qui viennent tous les dimanches et qui n'arrivent pas à se parler entre frères et sœurs. Il est mieux que ces mamans qui ne parlent pas à leur père-fille. Il est mieux que ces belles-filles qui ne parlent pas à leur père-mère parce que, voilà, elles viennent nous embêter dans notre foyer. Aimez-vous. Elle n'est plus la femme, la belle-fille que tu as aimée au début.
Chaque fois que tu te réveilles, dis à ton homme combien tu l'aimes. Même s'il a changé d'arrondissement, il est passé du premier arrondissement au 78 parce qu'on est dans le royaume. Autant à part. Continuez à les mêmes. Avant, quand on demande son gars, c'est pas grave. Il ne le coupe que tu vois. Mais encore. Amen. De notre Père, grand-père, frère, oncle et ami, notre prière veut rappeler combien ta présence était chère. Par Jésus-Christ, ton Fils, accueille aujourd'hui Michel Kimbidima, alias Tonton Guérins, qui nous a donné tant de bonheur dans ta maison. Seigneur, nous te supplions. La famille comptait beaucoup pour Michel Kimbidima. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir déposé en son cœur des trésors d'affection. Aussi, aide-nous, famille en deuil, à vivre sans lui et à trouver en toi la source de la consolation et de l'espérance. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Assemblée,
puissions faire mémoire de la résurrection de ton Fils, que nos paroles, nos attitudes de compassion et nos actes soient ta vraie louange. Ensemble, prions le Seigneur. Accueillons au creux de tes mains la prière de tes enfants. Qui viennent d'être présentées par notre sœur Cynthia. Mais écoute surtout les intentions qui restent dans le secret du cœur de chacun de nous ici rassemblés. Toi qui es le Dieu de la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons procéder à une petite quête. Cette quête, elle sera remise à la paroisse qui nous accueille aujourd'hui. Chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, sois proche de ton serviteur, Michel, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour lui qu'on se joue de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué,
si la faiblesse humaine la suit, que ta tendresse lui pardonne et le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. T'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, yeah.
même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Koyoma. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons remplis par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François. Notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Michel, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Il n'a pas dit que tu te Amen.
ceux qui peuvent communier, ils avancent, ceux qui ne peuvent pas communier et qui aimeraient recevoir une bénédiction pour que le Seigneur les assiste dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème. Vous avancez en croisant les bras sur la main.
puissant, pour ton serviteur Michel, qui vient de quitter ce monde. Fais que purifié par ce sacrifice et dégagé de ses fautes, il goûte les joies éternelles de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant nous écoutons sa fille. Merci à tous.
Je voulais remercier un papy, parce que sans lui, je ne serais pas là, je ne serais pas existé. Je voudrais remercier pour ça. Nous allons maintenant passer à l'absoute, le dernier acte avant de laisser partir Michel. Nous croyons tous que nous ressusciterons un jour. Et fort de cette croyance, je bénis le corps de Michel, ce qui va nous rappeler notre baptême. Par le baptême, nous sommes plongés dans le bain du Jourdain, comme le Christ. Et donc, cette bénédiction va nous rappeler ce geste que lui-même, le Christ, a vécu et que nous allons revivre maintenant. Michel, je bénis ton corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Michel, ta vie était parfumée de roses. Aujourd'hui, parce que ta vie était précieuse, ton corps était un temple de Dieu. Par respect pour ce corps, je l'encense. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais quand même appeler Linda et son fils de venir bénir le corps de Michel. Et les autres, vous rendrez votre respect là-bas au cimetière, là où vous allez l'accompagner. Malheureusement, on ne peut pas faire passer tout le monde.
Où est M. Tati? Je pense que c'est ça qu'on vient. Je vous donne maître. Monsieur le parent, je vous excuse. Tout le monde ne pourra pas venir finir le corps. Je pense qu'on va faire passer les enfants et les deux premiers rangés, s'il vous plaît. Merci. Victoire.
Ma piscina è una
Jivaro. Oui. C'était marié, et moi j'étais témoin de mariage. Nous deux, c'est le témoin de mariage de M. Émile. Émile, tu es où? Émile, viens ici.
Emi Mbwanga, si j'étais marié ici avec une Ivoirienne, et nous on était les témoins. Avec Odile. J'étais marié avec Odile. On était les témoins de mariage avec Gérard. Donc il est là. Emi, c'est que je dis mon frère, pour le mariage, tu vois que tu remaries, mais tu as encore la même femme. Non, merci, merci. Alors, il est là. Gérard est là. Il était là aussi avec nous. Voilà. Nous, on était là. On assistait au mariage. Avec, comment s'appelle madame? Odile Maïlé. Elle est où en ce moment? Abidjan. Voilà. Il dit à Gérard que Odile Maïlé, Abidjan. Abidjan. Voilà. C'est comme ça. J'ai un parent qui m'a dit qu'il voulait parler avant de faire la descente. Vous êtes là, les papas qui veulent parler. Les parents qui voulaient parler, ils sont où? Papa m'a dit qu'il y a quelqu'un qui devait prendre la parole. La personne est là? Personne. Peut-être derrière là-bas. Les petits enfants veulent dire un mot. Je vais dire aux enfants. Vas-y maman. Sa sœur. Maman, vas-y. Oui, Yaya. J'espère qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit, Yaya. C'est juste pour dire que tu as commencé ta vie à la Mecque. Voilà. Et tu as terminé ici à Montreuil. Voilà. Et tu es parti. Toi, tu voulais rester au pays auprès de ton père et ta mère. Mais le destin a décidé que tu es venu ici dire au sien que je suis là. Yaya, on t'aime. On t'aime, Yaya. On l'aime. On t'aime, Yaya. On t'aime beaucoup, Yaya. On t'aime beaucoup. Chatoto. Père Mijou Mengi. Yaya. Merci. Va en paix. Ouais. Merci beaucoup. Merci de Montreuil. Merci. Il n'y a pas un ami qui veut parler pour Garance. C'est mon gros frère. Merci déjà à tout le monde d'être venu. Vraiment, c'est une info. Je ne sais même pas quoi dire. C'est juste vraiment merci. Moi, personnellement, papa, là, il m'a parlé quelques jours, là, c'est que des regrets un peu, là, que je vis, là, à l'intérieur. Mon fils, c'est moi sortir de l'hôpital, papa sort de l'AREA et je ferai le nécessaire. Pour moi, il est encore bien, il a recouvert encore, mais c'est pas grave. Mais là, je pense que le corps terrestre est là, l'âme est partie. L'âme est partie, mais il, comme on dit, l'autre dimension, il voit un peu qui est là, qui fait bonne chose ou mauvaise ou peu importe. Mais je pense qu'il vous remercie tous. Et même là, le tapis rouge, là, il y a quelques mois, j'ai parti enterrer le père d'une amie, il n'y avait pas tout ça. Donc ça, c'est la culture là, un peu africaine, congolaise, et la reconnaissance. Et vraiment, là, il voit toutes les âmes qui sont là, malgré que lui est parti de l'autre côté. Et merci beaucoup, c'est juste pour dire merci beaucoup et voilà, merci à tout le monde. Pour papa, et pour grand frère, et pour oncle. Et pour... Attendez, je vais régler le micro, attendez. Parce que ça décoche, attendez. Allô. Merci. On a réglé le micro. Allez-y. Allô. Allô. Guérence. Moi, c'est ma reine. Plus près. On m'avait pris en mariage. C'est pas ça. Je suis en France ensemble, nous tous.
aujourd'hui. De temps en temps, tu passes à la maison. Donc, on s'amusait là-bas. Là, j'entends que tu es parti. Donc, tu as regardé ton grand frère. Il est là aussi avec toi. Je pense qu'il est là. Donc, vraiment, restez bien avec ton grand frère. Tu as laissé une grande famille. Tu as laissé les enfants. Donc, voilà, il faut aussi veiller sur tes enfants et la famille aussi que tu as laissée. Vous tous. Je vais dire à Yampas, je suis toujours là-bas, là où il m'a laissé aussi. Donc vraiment, veillez sur nous. Veillez sur nous. Merci Seigneur. Seigneur soit avec vous. Merci. Alléluia. Oui, mon frère. Bah écoute, ça a été très dur. Parce que quand t'es venu en France, t'es venu le lundi. Moi, je suis à Toulouse maintenant. Et dès que j'ai su ça, je suis monté. Et normalement, je devais dormir chez Willy. Et au final, je suis resté à l'hôpital. Tous les jours, je reste à l'hôpital. Je dormais à côté de toi. Tu me disais, mais sors de l'hôpital, va te promener. Je disais, non, je reste à côté de mon frère. Et après, ça allait mieux, je t'ai parlé, je t'ai dit, Yaya, moi je repars, je pars en vacances et je reviendrai en septembre pour te revoir. Et je t'ai dit, Yaya, je reviendrai en septembre pour te voir, non, pour t'enterrer mon frère. S'il vous plaît, laissez le passage des gens qui veulent déposer des fleurs. Passez par là et vous prenez dans la bouteille. Allez vers les... Laissez le passage, s'il vous plaît, les gens qui vont passer, vous repassez par là. Thank you.
pas vraiment Yaya. Ah Yaya, tu fais une auditoire, Yaya, vraiment. Y'a qu'une. J'essaie même de laisser mon numéro de téléphone. Ça commence à se prendre avec les journalistes. Entre lui au moins ? Ouais. Bon. On va se parler tout à l'heure. Et tu m'as jamais appelé. Mais toi, vous m'appelez ? Et moi, j'ai plus ton numéro, moi. Tu vois, comment je peux ? J'avais perdu mon portable. Tout à l'heure. Yeah.
Yeah, get it!